Na pesi banso mbote na kombo ya Nkolo Yesu Kristo. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus Christ. Tuzane sengo. Venons la joie. Amen. Touti kolia. Venons-nous de manger. Amen. Mingi bakutuna balubi mepuna nini. Beaucoup demandent, disant, mais pourquoi? Pourquoi on dit que ça c'est le temps de frère Franck? Oui, cela est vrai. Ouanezali solo. Mais ce n'est pas Ouiza l'âge de frère Franck. Kasezalité et l'écho yandeko Franck. L'âge de la Odyssée. Et l'écho à la Odyssée. N'a qu'un seul messager ou envoyé. Oyo atinda makina sango. Qui a été envoyé avec le message. Sango eye ekobongisa boye ya mibale ya Yesu Christ. Le message qui prépare la seconde venue de Jésus Christ. Mais le porteur du message, c'est-à-dire le messager, comment mon messango, Nkolo ya pesaki sangwango, le Seigneur qui lui avait confié le message pour nabisu, pour nous, pour nakobongisa bozongi boye, pour préparer son retour. Sango ebongisa bozongi boye, le message prépare son retour. Apesaki emitindo, il lui avait donné des ordres. Ordre zakini, quel était l'ordre? Zaki ya ko magazine nuriti, zaki ndia ko yanganisa bilei. Donc Koloba, il y a eu un temps, il y a quoi magasiner nourriture. Zaki n'entend gomo ko ya ko yanganisa bilei. Et le but, il y a magasinage. Pe bandeli ya ko yanganisa. Le but, tinabo ya boyanganisa mi. Il y a nourriture yango. De cette nourriture, ils allaient poète nzala ekoya. C'est parce que la faim viendrait. Et le ko la famine ekoya. Comme la famine vient. Selon Amos, chapitre 8, verset 11. Il y a une nourriture et la magasiner. Il y a une bilei bien anisama. Et la magasiner. Et anganisama. Na dépôt. Na ebombelo. Mbalo na utiawa. Na États-Unis d'Amérique. Ah, ces dernières fois, je suis aux États-Unis d'Amérique. On m'a montré par le frère Oscar, de berger ou Yazuami na Kentucky, na capitale ya Louisville. Le frère Oscar qui est le berger qui est à Kentucky, dans la capitale de Louisville, m'a montré. Mwanda koyo basaki a quoi magasiner nourriture. Une petite maison qui était construite pour emmagasiner la nourriture. Donc, ezalié kakana. Église, ton temple, Branham Tabernacle. Et c'est à côté de l'église ou du temple Branham Tabernacle. Et Kangami Kaka, et Zakaka, le Kulande, le Komoko. C'est comme une, la même maison. Le Kulande, temple Yangoyo Mobimba Oyo. Le temple est entier là-bas. Mais parti Moko Awa. Il y a une partie ici. Frère Branham Alubaki Batongango Ponako Tiaba bande magnétique ISO. Frère Branham avait recommandé qu'on construise cette petite maison pour entreposer toutes les bandes. Selon Dengue, Seigneur Alubaki Naïeke, Akwakosala, Amonisakie, comme un hangar. Selon ce que le Seigneur lui a fait montrer comme un hangar. Et hangar yango batiaki yango pembeni awa. Et le hangar était juste à côté de l'assemblée. Nazaraki wana nazwaki bazwaki ngata photo. J'étais là, on m'a pris des photos. Alors, nourriture, Ezaki a magasiné. La nourriture était emmagasinée. Poétique à la gana dépôté. Non pas pour que ça reste dans le dépôt. Pour un jour. Poété mokolomoko. Tango nzala ekoya. Quand la famine viendrait. Nourriture wana ebima uta au dépôt. Que cette nourriture sorte du dépôt. Et babanda na kokabulango. Et que l'on commence à la distribuer. Et ça aussi. Wanape.
C'est un autre temps. Ils allaient tango mosusu. Pas un autre âge. Et le comme mosusu te. Mais un autre temps. Kasi tango mosusu. Parce qu'il y a eu un temps dans magasinage. Peut-être que maintenant tango moko ya boyanga nisami. Et il devait aussi avoir un temps ya distribution. Et c'est là qu'il peut qu'on soit tango moko ya kokabola. Ce n'est pas le même temps. Ils entendent ndenge moko te. Tango moko moko kakati. C'est pas le même temps. Il y a un temps d'amagasinage et le temps de distribution. Même quand les soeurs cuisinent, il y a un temps pour cuisiner. Il y a aussi un temps pour distribuer la nourriture. Deux fois, il peut se faire qu'il y ait l'une à préparer. Et dit, viens toi après distribuer. C'est comme ça. Ezabongo. Donc, soki makanisi na yo ya sembo na kati na yo mutema eza alima. Et si ton cœur est droit, il est droit. Makanisi pe maza droite. Tes pensées aussi sont droites. Makamanzambo banako sosola de la bonne manière. Makamanzambo bando sosola ngolo lenga malamu. C'est le temps de frère Franck. Tu ne diras pas bon, ce que tu as dit, c'est le Franck est père comme les sous messager Moses. Ça dit Franck, il est un message. Il est venu avec un autre message. C'est pas ça. Et ça a bon côté. Voilà. Maintenant, ça, ça est pire. Ce n'est plus le temps d'emmagasinage. Et ça, les sous-soutés, un tango à Koyanganisa. Mais c'est le temps de la distribution. Ils ont un tango à Kokabola. Et au temps de la distribution. Ben, un tango à Kokabola. Frère Branham n'est plus. De Kobranam, ça, les sous-soutés. Celui que nous voyons, Otozali Komona. C'est le frère de Franck. Ils ont des co-Franck. C'est pourquoi c'est son temps. De Ponango, ils ont un tango à Yé. Alléluia. Amen. Tala. Regardez. Nzambo ya pesaki frère Franck expérience oyazwaki ya kwa magasiner pe nourriture. Le Dieu qui a donné à frère Franck l'expérience qu'il a eu en Allemagne. Là en Allemagne. Et nakati ya libikilina. Et dans cette expérience là. Alors bagi na kolo. Il a dit au Seigneur. Seigneur. Kolo. Tu ne vois pas qu'ils ont déjà tout eu, ils ne vont pas m'écouter. Ils ne m'écouteront pas. Mais le Seigneur lui a dit, mon serviteur, un temps viendra, encore le temps, où ils vous écouteront. Et pas yuapi bakoyo kayo. Le Seigneur lui-même a yebaki que les temps sont différents les uns les autres. Et frère Franck a kendeki boyebili solo et pas ya frère Branham. Vous connaissez l'histoire, frère Franck est allé au frère Branham. Parce qu'il avait mal compris cette expérience de la magasinage de la nourriture. Mais frère Branham a ya sosolaki. Mais frère Branham lui avait compris. Pour lui, c'est une matière. Mais pour le frère Franck, il y a ce soir qui était un des matières. Mais frère Franck n'avait pas compris que s'il s'agissait de prédications. Il y a des abampiodi, manene, bese, nyama, tope, ndunda, bilokwande. Il passerait des légumes, des fruits, des chinchards, de la viande, ainsi de suite. Que guerre froide, Israël entre les Occidentaux et les Orientaux, en tête les États-Unis d'Amérique et la Russie. Il y avait une guerre froide entre les Occidentaux et les Orientaux, en tête les États-Unis d'Amérique contre la Russie. Alors, il y a le but, peut-être, que vous allez attaquer. Le Franck s'est dit, peut-être, nous serons attaqués. Un mur de Berlin est séparé, Allemagne au milieu. Étant donné que l'Allemagne est séparée au milieu par le mur de Berlin. Divisée en deux. Et qu'on habite l'Imbalé. Est et ouest. L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. De l'Est, l'Allemagne de l'Est. Dans l'Allemagne de l'Est. Oyo, Israël qui n'a bloqué, il y a Barus. Qui appartenait au bloc des Russes. Et puis, de l'Ouest, il y a bloqué, il y a Américain. Et l'Allemagne de l'Ouest appartenait au bloc américain. Voilà. Est-ce que frère Franck s'est dit, et c'est la nourriture que je suis en train d'emmagasiner et frère Branham. Alors il est allé rencontrer le frère Branham. Je crois le 2 avril. L'expérience a eu lieu, je crois, le 2 avril. Mais
Il est allé rencontrer le frère Branham. Au mois de décembre. Je crois le 3 décembre. Si je me trompe, vous allez vous-même placer les dates qu'il faut. Il y a même année 62. De la même année, 1962. Mais pendant que frère Franck s'entretenait avec le frère Branham sur divers sujets, et frère Franck n'était pas tranquille en lui, pour qu'il puisse raconter à frère Branham l'expérience qu'il a faite en Allemagne devant deux témoins, frère Wood et frère Sotman. Alors frère Franck a fongoli monoko. Frère Franck a ouvert la bouche. Mpona koyebisa frère Branham. Pour dire na lingi na yebisa yo. Frère Branham, je voudrais te dire. Amoni frère Franck, frère Branham a tiaye Moussa Piboy. Frère Branham lui fait signe de main comme ça. Tika. Arrête. Lokolande liso moko eza ya kozipa mal, mais zipa mité. Comme si un œil était fermé mais pas complètement. Il a compris que azo monéloko. Frère Franck a compris qu'il voyait des choses. Naibisie frère Franck. Frère Branham lui dit, frère Franck, Ulingi na yebisa yo. Tu veux que je te dise? Yangon kolo alobelaki en Allemagne. C'est dont le Seigneur t'a parlé en Allemagne. Peu sosola ki yango mabe. Et tu as mal compris cela. Abandiko yebisa makam nyonso to. Il commence à tout lui raconter. À tout lui dire. Abibile yezande sango eye. Il a une nourriture en question, c'est ce message. Son magasinage, ce sont les bandes de prédications que je prêche. Mais, Kasi. Zela. Attends. Avant de distribuer. Ozela reste. Que tu attendes le reste. Reste nanoyet. Le reste n'est pas encore venu. Et vous comprendrez que. Pourquoi ça cela était? Il avait déjà commencé à magasiner. Mais il dit à frère Franck, ne commence pas encore à distribuer. Attends le reste. Alors, et si ce qu'il avait magasiné, c'était des prédications. Alors, il dit, Zela reste. Et il dit, attends le reste. C'est-à-dire, reste les agamatés. C'est-à-dire, le reste, ce sont toujours des prédications. Et ces prédications-là sont liées au le reste. De l'itika. Mais beaucoup de gens, bah, la nourriture, ils allaient à partir à 7 sous. Beaucoup de gens voient que la nourriture, c'est seulement à partir de 7 sous. Pas à partir à l'ouverture, il y a 7 sous. Et bandite, n'a pas fait mobile, bossambo. Même avant. Attali bosso. Il faut qu'on soit sur la monde en dingue. Il faut comprendre cela de cette façon-là. Il a continué à magasiner jusqu'à Lelo. Aujourd'hui. Nabutu ya Lelo. La nuit d'aujourd'hui. Frère Branham a koufa. Frère Branham est mort. C'était le 24 décembre. C'était le 24 décembre. 1965. Frère Branham a koufa. Et frère Branham est mort. Donc reste la nourriture. C'est-à-dire le reste de nourriture. A pesa ki nanu yango. Il avait d'abord magasiné. Il a magasiné. Nde tanguzambe amoni ke koki wana. Quand tu as vu que a retiré mosali na. Il a retiré son serviteur. Donc tant il a distribué, il y a magasinage et suki wana. C'est-à-dire le temps d'emmagasiner s'était arrêté là. Au mois d'avril. Na sans amine. Et avant cela. Tu bosso nango. Cette même nuit, frère Franck a vu dans une vision. Frère Branham a zoomata dans une nuit. Il a la costume moko et un peu sombre. Vêtu d'un costume un peu sombre. Puis Azaki Lokola. Il est un peu couché verticalement. Et dans la nuée, il est en train de monter. Alors, frère Franck est dans la vision. Ndeko Branham s'est étonné. Alors, mais frère Branham, il dit, Ndeko Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. C'est-à-dire, tu n'es pas le Seigneur Jésus-Christ. Comment je te vois?
Ozomata dans une nuée. Ozomata katina lipata. Et vision est cata. Et la vision s'est arrêtée là. Ayebaki peut-être que frère Branham a koufi na butoa. Et frère Frank ne savait pas que frère Branham est mort dans cette nuit là. Ce n'est qu'après. Il apprendra la nouvelle. Oh, l'évangéliste William Marion Branham. Mon parrain sang malam William Marion Branham. Aoutaki Kowa. Vient de décéder. Après, moi, bah, Américain, bah, garda qui est au moins peine. Il y a 5 ou 4 mois, parce que bah, Kukunaye, na mois d'avril. Les Américains l'ont gardé pendant à peu près 4 ou 5 mois parce qu'il a été enterré au mois d'avril. Ils attendaient sa résurrection. Parce que comme on croyait, on les croyait, qu'il était le Fils de l'homme. Et pourtant, il ne l'était pas. Zokande azalaki angote. Il était un fils de l'homme. Azalaki ne mwana moko ya moto. Mais pas le fils. Kasi mwana ngona moto te. Il était un prophète. Azalaki mosakoli moko. Il n'était pas le prophète promis. Kasi azalaki mosakoli angote ala kamaki. Mais il était un prophète promis. Kasi azalaki mosakoli moko boya ala kamaki. Mais non pas le prophète. Kasi de mosakoli ango. Ils ont attendu, ils ont attendu. Bayembi croit seulement. Croit seulement. Tout est possible à celui qui croit. Encore sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. On ne faisait que chanter. Et c'est comme mes frères Franck Azaki, le dernier. On dirait qu'il y a quelqu'un de côté à la corps. On dirait qu'il était le dernier à aller voir le corps. Il voulait vraiment avoir la certitude et que ses vrais frères Branham est mort. Qu'il puisse voir son corps. On a ouvert, il a vu la dépouille mortelle. Poleka kitoko to bonzenga ndenge azalaki ata kobika. Le corps était plus beau, plus jeune que quand il vivait. Ata trace ata nzolo ko mokote ya likama lizwa ki ya moto. Aucune trace d'accident de véhicule. Tout réparé. Nous sommes chez Bongisa Maki. Bon, Aïbis n'a pas frère. Il dit au frère, Kundaye, enterrez-le. Tokunanzot. Enterrons le corps. Azongina hôtel. Il retourne à l'hôtel. Tango Azongina hôtel. Quand il retourne à l'hôtel, n'a eu qu'une voix intérieure. Alors il va entendre une voix intérieure. Mon serviteur. Mon salinangaï. Maintenant, Sasaip. Ton temps Tango na yo est arrivé. Est commis. C'est toujours le temps. Isaac a calé mon tango. Taoyo kola ebsa yeke est arrivé. Le temps pour lequel le Seigneur lui a dit qu'il est arrivé. Ils attendent la distribution. Ils attendent tango à Kokabola. Et d'aller de ville en ville pour prêcher le message. Pour côté à Sango. Amen. Amen. Donc, comme il tout s'agate, n'a problème, il y a temps. Ne te dérange pas pour ce qui concerne le temps. Tozan attend, il y a frère Franck. Tozan attend, Gwande Kofranc. Tawan et Zouami dans l'âge de l'Odyssée. Ce temps-là se trouve dans l'âge de l'Odyssée. Même dans la Bible. À travers sa Bible. Et Zouama qui a un temps pour le ministère à Moïse. Et Zouama qui a un temps pour le ministère à Moïse. Et ensuite. Nassima. Moïse a souki ce ministère. Moïse a fini avec son ministère. Mais Dieu a souka quitté. Mais Dieu n'a pas fini. Dieu devait continuer. Zambasrene Kokoba. Avec quelqu'un d'autre. Namoto Mososo. Et c'était Josué fils Nun. Ezraki Yoshomani Anune. Et c'était maintenant l'état de Josué. Et comment qu'il s'est fini tango ya Yoshua. Mais dans un même âge. Kasi katine le komo kokaka. Oui, c'est comme cela. Il y a eu un temps d'Élie. Et Élie fut enlevé. Et ensuite, manteau naïe quitté Élisée. Son manteau est descendu sur Élisée. Et comment que
Un autre temps. Comment qu'il t'a commencé ça? Il y a Élisée. D'Élisée. C'est comme ça. Ezali Bongo. Dans la parole de Dieu. Ezali Nathan, il y a Jean-Baptiste. Il y a eu le temps de Jean-Baptiste. En tant que précurseur. Lokola mobongi ici. Et ensuite, Nassima. Tous les temps, il y a Jésus-Christ. Nous avons eu le temps de Jésus. Le Messie pour Massi Angola Kamaki. Et quand le Messie a achevé son œuvre, il a prié. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jean 17. Et à la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Tout est achevé. Et ensuite, au jour de la Pentecôte, il y a eu un autre temps, c'était le temps des apôtres. Et même au cours des années, il y a eu un temps pour Paul. Et ensuite, un temps pour Irénée. Un autre temps, comme un âge, pour Martin. Et ainsi de suite. Oui. C'est comme ça, les choses dans le royaume de Dieu. Même chez nous ici, il y a eu un temps. Il y a frère Kalonji. Un autre temps. Oh, nous sommes. Et c'est comme ça. Dieu ne s'arrête jamais. Il continue à faire son œuvre. C'est pourquoi il est un Dieu de continuité. Amen. Frère Franck Kende a un ministère de continuité. D'autres disent, vous dites que c'est frère Franck qui a le ministère de continuité. Il y a un ministère de continuité. Oh, celui qui a le ministère de continuité. Mais la continuité, c'est le Saint-Esprit. Ah oui, bon, quoi, bien, bon. Est-ce que je le Moïse, mais moi, quand il travaillait, Saint-Esprit a été. Le Saint-Esprit n'était pas là. Ils ont dit oui, le Saint-Esprit était là. Mais maintenant, quand Dieu dit à Moïse, je te retire de la scène. Tiens-toi sur le rocher. Mais toi, tu n'y entreras pas. Regarde seulement la ville de loin. Moïse, après cela, a dit le Seigneur, Dieu. Zambé. Tu dis que tu vas me retirer. Tu me retires de la scène. Le ministère arrive à la fin. Mais maintenant, tu passeras devant ton église pour la conduire, pour la conduire. L'église restera-t-elle comme un troupeau sans berger? Bon, voici la question. Est-ce que Moïse avait quitté le Saint-Esprit? Je dis, Moïse ne savait-il pas qu'il y avait le Saint-Esprit? Alors comment cherchait-il un homme? Je le vois cligner les yeux. Je dis encore. Je dis, pourquoi Dieu ne lui avait pas-t-il dit? C'est une faute. Et Zali Bunga, ce que tu dis là. Parce que moi-même, je suis l'omniprésent. Je dois conduire mon église moi-même. Mon esprit est là. Mais moi, je suis là. C'est toi qui as retiré. Dieu n'a pas dit cela. Je lui ai répondu que. En tout cas, demande na yo. Ah, bosenga na yo. Et tu as fait une bonne demande. Mais tu oublies autour de toi. Ezana domestique moko oya sukulaka asopiraka yo mai na maboko. Il y a un domestique qui te verse de l'eau aux mains avant de manger. Nan. Qui est-ce? Abi Josué. Il dit mais Josué. Oyo pesa kombo ya Josué. C'est lui à qui tu as donné le nom de Josué. Neyewana Osé. C'est celui-là Osé. Osé. Oh yo, pensa que comme Josué. Osé à qui tu as donné le nom de Josué. Miazawana. Mais il est là. Pourquoi Dieu n'avait pas dit que le Saint-Esprit mais Josué Azawana. Mais il a dit Josué est là. Josué Azaki Saint-Esprit. Josué n'était pas le Saint-Esprit. Il était un homme. Pourquoi vous le foutez seulement après frère Branham que ça ne soit pas un homme, ça sera toujours un homme.
Parce que même pour Dieu lui-même pouvait le faire sortir de là sans un homme. Mais il a suscité un moto. Car c'est tel message qui m'a dit nom de Moïse. N'encombre pas Moïse. Bon, a utilisé Moïse. Pour utiliser Moïse. On a mission yang. Pour cette mission-là. On a œuvre yang. Pour cette œuvre-là. Et de la même manière. Je n'ai pas compris. Quand Moïse a longué, Dieu était là. Mais il a fallu un autre homme. Et c'est là qu'il m'a tombé sous. Parce que Dieu a créé toutes choses. Même la lune, les étoiles et le soleil. Mais parmi toutes ces créatures, ici sur la terre, il a choisi l'homme pour qu'il soit son agent. Son agent, son collaborateur, dans son œuvre, sur l'œuvre de Dieu, mais il engage l'homme afin qu'il collabore avec cet homme. Il fait d'un homme son collaborateur dans son œuvre. Nous collaborons avec Dieu. Nous sommes ses collaborateurs. Mais ce n'est pas notre œuvre. C'est la sienne. Il nous engage. Amen. Amen. Alors c'est de cette façon-là. Et la date d'aujourd'hui. Mais date est là. C'est la naissance de notre bien-aimé frère Franck. La date de sa naissance. Frère Franck Abotama, le 24 décembre. Je crois 1933. C'est le jour où frère Franck est né. Donc, ce que tu as dit, madame. Si tu regardes bien. Frère Franck Botama, Lélo. Frère Franck est né aujourd'hui. La date, Oyo. À cette date. Et frère Branham a confié Lélo. Et Frère Franck est mort aussi. Heureusement, Oyo a confié Oyo à Botama. Heureusement, l'homme. Bonne continuité, salam. Pour nous, beaucoup plus, salam. Moko, oui, monsieur soit Botama. L'homme, l'autre est né. Oyo a confié. Asuki. Oyo a Botama, à Sengeli Akoba. Celui qui meurt s'arrête là. Celui qui est né devrait continuer. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Et à Kokisi Lelo, Mibu Tukulibo. Il a totalisé aujourd'hui 90 ans. Ewad Frank d'Allemagne. Ewad Frank d'Allemagne. Au moins, il va devenir Bazoba. Frère Frank n'a pas un message. Moi, j'ai dit si. Abi, Iyo. Il en a. Azana Sango. Je ne peux pas dire non. J'ai dit oui. Il en a. Le cœur. Le même message que Dieu avait donné à William Marion Branham. C'est le même message. Il a le message. Si frère Branham avait un message, on Zambé a confié à qui est pour amener na molongo. Pour l'amener dans le monde. Et d'abord, quand je lui ai dit qu'il y a un message éthique, le message éthique, mais Dieu a chargé notre personne. Comment tu peux dire qu'il n'a pas le message? Il a le message. Mais il n'est pas. Le messager de l'âge de l'Odyssée qui a apporté le message. Mais néanmoins, il est un messager dans cet âge de l'Odyssée qui devait continuer avec le même message. Mais pourquoi tu Franck dis ça? Comme messager. Le Franck est bien comme messager. Oui, il y a sa motine d'amis. Nandeng. Comment ça? Oh. Mais Nandeng, il y a Apocalypse chapitre 14. Nandeng, mon fils, il y a Apocalypse. Oui, il vient d'en parler il n'y a pas longtemps. Lélo, pas il n'y a pas longtemps, aujourd'hui. Aujourd'hui, il vient d'en parler. Qu'à vous n'avez pas suivi ça? Si, si. Attendez, parole, Ndeko,
Il a lu la parole qui était lue par le frère. Il a repris Matthieu 24, verset 14. Il est allé dans Apocalypse 14. Voyez. Verset 6. Il dit c'est par cela que le message jusqu'à aujourd'hui. Je peux continuer à livrer le message. Même si je ne voyage plus, mais j'ai un message à propager. Mais ce qui n'est pas correct, c'est que son frère Franck, le Hollandais, comme le messager de cet âge qui a porté le message. Non, ils ont des frères Branham. Non, non, là c'est frère Branham. Mais sanguyango, frère Branham a memaka. Mais le message apporté par frère Branham. Jambe le bie franchement. Dieu lui a dit à Franck, Franck. Les gens ne savent pas. Qui a donné à frère Branham l'épée du roi. Mon panga, mon conseil. Dans une vision. Voyez frère. Et le jour même, je crois, ou avant ce jour-là, ou la nuit même. Oh yo frère, Franck, Branham a secret qu'on mata. Je crois le jour ou la nuit. On a placé la même épée dans le boko ya frère Franck. Dans la main de frère Franck. Les gens ne comprennent pas. Oui, ils viennent seulement comme ça. Les choses qui se passent dans le royaume de Dieu. Il faut connaître ça. Voilà, frère. Bongo bandeko. Tout kulibwa ya mibu ezangolu ya nkolo. 90 ans, ça c'est la grâce du Seigneur. Les gens pensent que frère Franck n'est pas prêché. Il a prêché étant ainsi. Mais tel que la prédication vient de s'achever. Même dimanche, on a eu le premier week-end, il y a moi. Oui. Même le dimanche du premier week-end de ce mois, quand j'étais là. Entre Kiti Nangai Naye, Zagi na Moutou Nakati Kati. Entre sa chaise et la mienne, il n'y avait personne au milieu. Il y a Fandaki na droite Nangai. Lui était assis à ma droite. Na gauche, na ye. Moi à sa gauche. Tozo Landango. Nous suivions cela. Mais tant que il était ici. Mais après la prédication. A Télémi, à Ténaché. Il s'est levé. Il a fait au moins une heure encore. Il a fait encore au moins une heure. Mais les pions de mais côté pour matin, très bien. Mais il s'est levé, il a bien passé. Il a même appel à l'hôtel. Il a fait même appel consacré ma bébé. Il a consacré des bébés. Et puis il a bondé à ta pour ma bébé. Et il a même prié pour les malades. Topé n'a pas candidat au baptême. Jusqu'aujourd'hui, il continue à le faire. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs. Oui, bande de c'est sur cela que je voulais un peu parler.